Ouais, vous rêvez pas, on est les seuls youtubeurs du YouTube Game à posséder bientôt une chèvre à la maison. Tu vois, les gens, ils ont des chats, des chiens, nous on est là, on prend une chèvre. Mais moi, je pense que c'est original, Adem, hein. Bon, on les laisse à la vidéo. Allez, bon visionnage. Bonne année! Wesh la famille, on espère que vous allez bien. Alors Adem, qu'est-ce qu'on leur souhaite à tous ces abonnés, à tous ces fidèles abonnés qui nous suivent depuis bientôt 3 ans maintenant? Bonne santé déjà, obligé, la santé. Ah la santé, hein, c'est important la santé, hein. Prenez soin de vous et de votre famille, faut profiter de la famille. Fermez vos gueules et allez chercher cette foutue chèvre et bouffez-la en barbecue. Merci d'être toujours fidèle aux vidéos, d'être toujours là pour nous quand on en a besoin, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, parce qu'il y en aura encore l'année prochaine, hein. C'est pas que quand on a un mauvais moment, ouais, vous avez changé les refs. Non, toujours les mêmes, hein, toujours les mêmes depuis petit, hein. Et aussi, la seule chose qui est restée pareille chez toi, c'est que tu pues toujours autant de la gueule. 2020, c'était bien, mais 2021, ça sera mieux. Oh là 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 là. Ah, t'es trop moche. Perfect. Pour commencer cette magnifique année qui commence super bien avec une chèvre. Voilà, on va acheter une chèvre naine. Ça veut dire elle grandit pas, la chèvre. Ça veut dire t'as beau lui donner à manger, elle reste de la même taille, toute petite, toute mignonne. On va faire n'importe quoi avec elle. Elle va surtout passer une seule fois dans le four. Ouais. C'est grave là en vrai. Ouais, ça veut dire quoi, on va la manger? Bah ouais. Perfect. Comment va être son prénom aussi? Ouais, il va lui falloir un prénom, il va lui falloir de la nourriture, où elle va manger, comment on va la manger, comment on va la couper. Arrête. Faut savoir aussi comment est-ce qu'elle va dormir, c'est ça le plus important. Et merci à fond. Go les 1 million, go tout casser tous ensemble cette année. Et Adem aussi, je vais te passer un message. Depuis le début de la chaîne, on est ensemble, on est frères, main dans la main. On a fait nos vidéos de notre côté, on s'est pas pris la tête pour réussir dans ce qu'on a envie de faire et ce qu'on kiffe. On a juste eu besoin de nous deux, de nos sœurs, de la famille et aussi de vous, la team AEB. Bref, et puis voilà quoi, j'espère qu'on va continuer voilà quoi. Mais t'inquiète, j'ai compris ton message, ça me donne envie de t'embrasser ça. J'ai toujours rêvé que tu m'embrasses, ça, mais... Vas-y, ferme ta gueule. Non, sérieusement, pour commencer l'année en force, pour leur montrer qu'on va être là, qu'on va tout péter sa mère, on va rien lâcher tous les deux, on va continuer à les faire kiffer et juste à prendre du plaisir. Vas-y, fais-moi un petit bisou. Abuse pas mon ref, là c'est juste une vidéo, on va chercher une chèvre, il y a pas de mariage là. Je sais, mais c'est la nouvelle année, j'ai envie de commencer bien les choses à fond. Vas-y, fais-moi un bisou. Bref, on continue, on lâche rien. Allez, on lâche rien la famille. On casse tout. On casse tout. On casse le million. On mange tout. Nouvelle année la famille, on vous laisse à la vidéo, on va chercher la petite chèvre. Bon visionnage, c'est parti. Wesh la famille, là on est le lendemain de l'intro qu'on a fait juste avant. Donc c'est parti, on est avec Selomar. Wesh. Donc voilà, on va aller chercher la petite chèvre. T'es chaud Adem? Là je suis hyper chaud, je peux te dire que Selomar il se met dans le bain avec nous, on le fait chier. Ah, il est actuellement 9h du matin, on va aller à la ferme, elle est à 1h15 de la maison. Donc c'est parti, on y va. Et comment vous dire que, coucou la petite chèvre, tu vas arriver dans une famille ch'tarbée. On est des fous ici. On va faire que des conneries avec toi. Ah, je sais pas si vous voyez, regardez la buée que ça fait. Il fait super froid dehors. Regardez le parterre, wesh, il y a du verglas partout, sa grand-mère la chauve. C'est pas, il y a du verglas, autant en profiter. Let's go. C'était sûr. Oh, le bruit, il était trop sale. À mes fesses. Bon la famille, là on est tout simplement à la ferme de monsieur Seguin. Donc voilà, on est arrivé. On va aller tout simplement aller voir les chèvres. Il y a d'autres animaux aussi, il y a des vaches, il y a des lamas. C'est parti, on y va. T'es chaud Adem? Je suis chaud, la vie de ma mère, elles sont trop mignons. Les bêtes, ils sont bizarres, il y a des taureaux et tout, c'est n'importe quoi, c'est incroyable. Franchement, on n'est pas du tout habitué. Pourtant on est de la campagne, hein, mais c'est la première fois on voit des animaux comme ça. Ça se voit, on sort pas beaucoup nous. La vie d'homme, regardez ça, wesh, regardez les cornes. Là, moi je suis un campagnard mais j'ai jamais vu ça. Là il y a un cousin à nous. Là c'est un frère maghrébin. Coucou. Il va nous mettre un molard, non? Il crache. Il va cracher. Salut vous. Bien ou quoi? Wesh. Salut les vaches. Vous savez, nous les musulmans, on fait la fête de l'Aïd, la fête du mouton. Regardez derrière, il y a quoi? Wesh les moutons, bien ou quoi? Bon la famille, on est arrivé dans le coin des chèvres. Donc regardez-moi ça, c'est magnifique. Il y en a des grandes, regardez. Allez crier. Trop mignon, regardez. Bon, il m'a regardé, je prends celui-là. Salut. Wesh. Non, en vrai, elles sont toutes mignonnes, hein. Ça commence comme ça à la naissance et après ça va grandir comme ça. Donc il faut s'attendre à ça à la maison. C'est incroyable. Regardez comment elle mâche. Marcelo, est-ce que tu te sens chez toi ici? Ah, pas du tout. On vient de la campagne, là c'est plus la campagne que la campagne. Regardez la terre, il y en a partout. Mais Jordan,
Bon, là, il nous a montré les chèvres qu'il y avait ici, là, adultes. Maintenant, il va montrer les chèvres qui sont à vendre, celles qui sont tout bébés. Celles qu'on vient de voir, c'était genre des chèvres d'exposition, on va dire. Et là, on va voir celles qui sont vraiment disponibles à l'achat. Bon, la famille, le monsieur nous a conseillé d'en prendre deux. Mais bon, on va en prendre une, parce que si on en prend en fait qu'une seule, et bah, elle va beaucoup gueuler. Et bah, si jamais elle regueule, on revient ici, on prend une deuxième. Allez, on va chercher la petite. On va prendre la plus mignonne, la plus petite. Ah, je suis impatient, c'est vraiment beaucoup trop mignon. Bon, bah, voilà. C'est à nous, elle est magnifique, regardez. Il ou elle? Il. Ah, bah, il est trop beau alors. Check. Je peux le caresser? Salut toi. Tu vois, il appelle sa mère. Allez, on va à la maison. Ah, c'est trop stylé les sabots. Oh, sa mère, elle est là, regarde. Ah, bah, c'est pareil de sa mère. Voilà, on l'a bien mis au chaud. Allez, repose-toi bien. C'est triste quand même. Voilà, ça crie. On l'a séparé de sa maman. Ah, c'est triste. Genre, imaginez, nous, on est comme ça avec maman, elle nous donne du lait. Ils viennent nous arracher du sein de notre mère. Et voilà, il est là, maintenant. Bon, on va bien s'en occuper. On lui doit bien ça, on va bien s'en occuper. En tout cas, on est trop contents. Franchement, c'est lourd d'avoir un animal comme ça. Bon, bah, elle fait partie de la famille. Chima et Bé, on est ensemble, la chèvre. Et c'est Lomar, toi, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, je trouve ça trop mignon quand ils m'ont dit, ouais, on va acheter une chèvre. Je me suis dit, ouais, je commence à une chèvre. Mais ce genre de chèvre-là, regardez, c'est vraiment trop mignon, wesh. C'est incroyable. Bon, c'est parti, la famille, on rentre. On est venu la chercher. Avant de rentrer, on va aller chercher quoi, Adem? Acri, on va aller chercher sa nourriture. Elle a besoin aussi de biberon, là où elle va dormir, etc. Poudre de lait. La vache qui rit. La vache qui chie. Salut toi, comment tu vas? Il est super beau, hein. Fais-lui un petit bisou, Adem. Magnifique choix de couleurs en plus, il a plein de couleurs, c'est un hybride. Bon, la famille, de retour à la maison. Donc on n'a pas pu vous filmer, Adem, au magasin, tout ce qu'on a acheté. Alors regardez, on a acheté son bac pour qu'elle dorme à l'intérieur. Elle est ici présente, regardez sa petite tête, avec un gros coussin ici. On a dû aussi lui prendre un biberon pour qu'elle boive le lait, tout simplement. Et je peux te dire qu'elle est super mignonne quand elle tête le lait, la tête de homme. Oh là là, regardez-moi cette petite bouille. Elle est trop bien là. Allez, bois. Oh merde, sa moustache. Rien. Bon, bah en fait, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai mis du lait dans le nez. Du coup, elle a fait coucou, ça va mon bébé? Maman aussi, elle lui a pris des petites couches. Comme ça, elle fait pas pipi par terre, elle fait pas caca partout. Alors, c'est simple, elle avait une couche, j'ai dû lui enlever parce qu'elle savait pas marcher avec, elle a boité. Elle est un peu comme Adem et Bilal, elle se chie dessus. Bienvenue au club. Alors, la famille, j'ai plein de choses à vous expliquer par rapport à la chèvre. Alors, déjà, elle va faire 40 cm maximum. Voilà. Et en plus, elle mange que du lait, enfin, elle boit que du lait. Pour l'instant? Oui, pour l'instant. Et après, ça va être de la salade, du foin et tout ce qui est salade verte en fait. Elle mange surtout pas, genre, par exemple, des tomates et du chou. Si elle mange ça, elle peut crever. En gros, c'est une végétarienne et elle fait intoxication alimentaire si elle mange ces deux produits-là. Voilà, exactement. C'est son mode de vie. En gros, il faut lui donner quoi? Du chou et de la tomate. Si on veut la tuer. Non, c'est pas drôle. Là, comme ça, un bébé, elle mange 6 fois 20 ml de lait. C'est tout petit. Elle a un tout petit ventre encore. Vous voyez ce biberon-là? C'est un biberon basique d'enfant. Dis-leur l'embout comment il est. Alors, c'est un bout. Il est tout fin, couleur caca, hyper long et tout mou. Comme ça, elle prend dans la gorge et elle a à peine à appuyer et le lait il sort. C'est trop bien. Bon, pas de pensée bizarre. Si innocent. En gros, tête quoi, c'est tout. Pauvre bête. Eh, vous savez, tout à l'heure, elle a fait quoi? Elle s'est mise en dessous des bras de ma mère. Elle a commencé à téter, elle croyait que c'était sa daronne. Ouais, ça fait trop de la peine en vrai. On l'a arrachée à sa famille, je suis désolé, mais t'inquiète pas. Tu vas être plus heureuse, enfin plus heureux. En fait, là, je voulais vous le filmer quand il fait le con, tu vois, en train de courir comme un ouf. Mais il est tout le temps ici en train de dormir. Réveille-toi, mon refait. Réveille-toi là. Réveille-toi, je te dis. Pardon. Adem, c'est quand déjà sa date de naissance? Alors, il est né le 31 décembre, c'est exceptionnel. Donc voilà, pour le jour de l'an, ça fait 3 jours qu'il est sur Terre. En vrai, ça va, il aura pas eu le temps de connaître sa vie en tant que chèvre. Ça veut dire il va direct vivre, grandir avec Adem et Bilal chez les humains en tant que youtubeur chèvre. Donc du coup, ça va le faire. Et de toute façon, c'est un animal qui est réputé pour vite s'adapter aux humains. Ouais, et des fois, il conseille d'avoir une deuxième chèvre pour qu'elle s'en sorte en pinçant. Pour qu'il se sente pas tout seul, en fait, il faut une deuxième chèvre en accompagnement. Bon, je suis désolé de te faire chier, mais vas-y pour la vidéo. On va te lever un petit peu, hein, on va te faire chier. Allez mon bébé. Coucou. Allez, bisous, 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 bisous. Mouah. Mouah. Oh, crie, d'habitude tu cries. Hein? Oh. Bon bah voilà la famille, petit cadeau de 2021 pour moi et Adem, on s'est offert une petite chèvre naine. On commence l'année avec ça, c'est magnifique. Pour l'instant c'est notre petit bébé et on va l'éduquer. Et franchement ça nous fait du bien d'avoir ça. On s'est pas habitué à des animaux. Ma grande sœur Léa elle avait un chat, on s'en est pas trop occupé. Mais là le fait de s'en occuper, d'acheter sa nourriture, de le nourrir, c'est vraiment beau, je kiffe. Et aussi dites-nous en commentaire si vous validez la chèvre. Et dites-nous aussi en commentaire vous avez quoi comme animal, comme animaux chez vous, pour savoir, parce que peut-être qu'il y en a chez eux, ils ont des lézards ou des
koala. Bon, la famille, je voulais aussi remercier la participation de Célomar à la vidéo. Merci, frérot. Comme d'habitude, toujours présent à l'appel, vous connaissez la mif. Ce que j'aime bien avec lui, c'est que on a besoin de lui. Hop, Célomar, est-ce que tu peux venir à ce moment-là, tel endroit? Ouais, je serai là, les refs. Il est toujours là, il nous a jamais mis de plan. Donc voilà, du coup, c'est le frérot. Je vous mets son Instagram, pas sa chaîne YouTube. Là, je vous mets son petit Instagram. Allez vous abonner en masse. Et puis voilà, quoi, ça fait plaisir. D'ailleurs, bonne année à toi. Bonne année à vous, les refs. Merci et bonne année à tous les abonnés. Bon, la famille, ce sera tout pour cette vidéo en espérant que ça vous a plu. Donc voilà un petit vlog de la petite chèvre. On vous a montré un petit peu à quoi elle ressemblait. Bon, elle est fatiguée, vous inquiétez pas, elle va grandir. On va bien s'amuser avec elle, on a le temps. La famille, je vous kiffe. Passez de bonnes vacances parce que c'est la dernière semaine des vacances là, non? Non, ils reprennent lundi. Ils ont déjà repris là. Ah, c'est fini. Bah, bonne chance à vous, la famille. Partagez la chaîne à vos amis et à vos ennemis. On va se retrouver très prochainement pour de nouveaux vlogs. C'était Adem et Bilal et c'est Lomar. Salam, la famille. Eh, au fait, on a oublié de vous dire, il s'appelle Mouloud.